Un compagnon là d'échappée qui va leur. Ah ben c'est peut-être lui qui va les gagner. C'est quoi ce maillot? Je ne reconnais pas celui-là. Attention quand même. Ouais. Mais il roule plus vite, hein. Il roule plus vite que les 6 hommes. Ah là, on se regarde un peu là. Par contre, pour les 5 hommes, j'allais dire 6, ils sont plus que 5. Les 5 hommes de tête. Oui, ça devient tactique évidemment entre ces 5-là. Et c'est dans ces moments qu'on perd évidemment du temps par rapport aux poursuivants. Mais on n'est quand même pas inquiet. Hein. Avec 3 minutes 22 à bientôt 10 km de l'arrivée. Oh, c'est beau ça, magnifique. Mais vous savez qu'il n'a pas le droit. Hein. C'est vrai, il n'a pas le droit. Enfin, je préfère ça quand même que bien sûr. Bidon jeté dans des... Non, alors là, c'était franchement très sympa. Puis il l'a mérité quand même, ce bidon. Hein. Earlier is they face a little bit of an attack on the right hand side of the road from that lad who's technically not allowed to use the pavement, so the UCI might have to have a look at that. Technically not, but he's going faster than those riders are at the minute. He's doing alright, isn't it? It's a big dig. They can't let him get too much of a gap. He might just go. Up and down the curb as well. He's flying at the minute. He is. Absolutely flying, that's it. You look behind, find where they are. Someone needs to get on his wheel. Yeah, they're having to react now. They're going to peg him back, surely. Brilliant. Maybe went a little bit early. Signs of a little bit of inexperience, but what an engine. And the young lad from Hub getting there, something there. Brilliant. Brilliant.